السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ وأولياء التلاميذ، أتمنى أن تكونوا دائما بخير. إذا نواصل مع سلسلة الاختبارات للفصل الأول، لكن أولا أريد أن أعتذر على تأخري. كان بودي أن أنزل فيديوهات واختبارات أكثر، لكن الظروف لم تسمح. الذين اجتازوا الامتحان أتمنى أن يكونوا قد وفقوا، والذين لم يجتازوه بعد أتمنى أن يوفقوا وينجحوا جميعا. أعدكم بإذن الله أنه في الفصل الثاني سأنزل اختبارات أكثر، استفيدوا جميعا وفي وقت مبكر. اليوم لدينا اختبار الفصل الأول للسنة الخامسة ابتدائي، إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن نبدأ بقراءة النص. Le chien est un animal domestique. C'est le meilleur ami de l'homme. Il se nourrit de viande. Il vit dans la ferme et peut garder les moutons. Le chien, الكلب, est un animal domestique. حيوان أليف. C'est le meilleur ami de l'homme. هو أحسن صديق للإنسان. Il se nourrit de viande. يتغذى على اللحم. Il vit dans la ferme. يعيش في المزرعة. Et peut garder les moutons. يستطيع حراسة الخرفان. ننتقل إلى الأسئلة. Question. Compréhension de l'écrit. السؤال الأول يقول: Trouve un titre à ce texte. إذن ضع عنوانا للنص. هنا بما أننا نتحدث عن le chien، إذن عنوان النص هو le chien tout simplement. Où vit le chien؟ أين يسكن الكلب؟ Alors ici on a il vit dans la ferme، يعني يسكن في المزرعة. Alors le chien vit, on dit il vit dans la ferme. السؤال الثاني الآن: vrai ou faux، صحيح أو خطأ. Le chien se nourrit d'herbe. الكلب يتغذى على الحشيش. Est-ce que c'est vrai؟ Non, c'est pas vrai. Le chien il se nourrit de viande. Alors c'est faux. Le chien est un ami de l'homme. الكلب هو صديق الإنسان. C'est le meilleur ami de l'homme. Alors c'est juste, on va mettre vrai. Le chien est un ami de l'homme, c'est vrai. Question numéro 3. Trouve dans le texte le synonyme du mot mange. جد في النص مرادف كلمة mange. Alors on dit mange, on dit aussi se nourrit. إذا المرادف هنا هو se nourrit، لهما نفس المعنى، يأكل mange ou bien se nourrit. السؤال الأربعة: trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. إذن جد في النص ضد كلمة sauvage. Sauvage بمعنى متوحش. في النص لدينا un animal domestique أليف. إذن هنا sauvage c'est le contraire de sauvage c'est le contraire de domestique. Numéro 5. Souligne le verbe سطر تحت الفعل et encadre le sujet. وضع le sujet الفاعل في إطار. Il garde les moutons. Alors ici le verbe c'est quoi? Il garde les moutons. Le verbe c'est garde. On va le souligner. Encadre le sujet. Alors ici garde, c'est le verbe. Qui garde les moutons, c'est le sujet.
Pour trouver le sujet, on pose la question qui plus le verbe qui garde les moutons, c'est il qui garde les moutons. On va l'encadrer. Question numéro 6. Conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. صرف الفعل المسطر في زمن الحاضر. إذن الفعل هنا هو اي. On va le conjuguer avec le pronom personnel nous, au présent de l'indicatif. Alors ici on a il est le meilleur. On va dire nous. Alors je suis et tu y es, il est. Nous. Très bien. On dit nous sommes. Nous sommes les meilleurs. Il est le meilleur. هو الأفضل. Nous sommes les meilleurs. نحن الأفضل. السؤال السابع والأخير الآن. Complète par أكمل به هذه الكلمات. Forêt, viande, fort, animal. Alors, le tigre est un. Très bien, on dit le tigre est un animal. Un animal sauvage. Il est très fort, très bien. Il est très fort. Il mange de la viande. Il vit dans la forêt. يعيش في الغابة. إذن le tigre est un animal sauvage. Il est très fort. Il mange de la viande. Il vit dans la forêt. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأنكم قد استفدتم. شكرا على متابعتكم. حظ موفق للجميع والسلام عليكم.